tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission, mes amis, Foi en action. Aujourd'hui, on parle de la thérapie de l'amour. Et mes chers amis, tout changement a besoin d'une action. Et peut-être beaucoup de personnes, elles veulent le changement, mais ne sont pas en train de faire l'action. Et l'action, ce n'est pas baisser les bras, se décourager, abandonner, désister, laisser tomber, laisser tourner, ça ira, non. Il faut que l'action soit une action positive et pas négative. Si vous êtes une personne que vous m'accompagnez à travers cette émission et que vous voulez, aujourd'hui on parle de la thérapie de l'amour, vous avez des problèmes dans votre famille, dans votre mariage, dans votre vie sentimentale, vous êtes un jeune, vous n'arrivez pas à construire une famille, à construire un foyer, à bâtir une vie, et vous voulez cela, mais c'est comme s'il manque une direction. Alors la thérapie de l'amour existe exactement pour cela. C'est une réunion où les personnes, vous savez, les personnes qui sont blessées, mais pas blessées physiquement, hein, mais blessées dans l'âme. Combien sont les personnes qui sont blessées dans leur intérieur, dans leur âme, et que malheureusement le temps passe, les années passent, et elles n'arrivent pas, en fait, à surmonter les ponts, à changer ce karma, ce passé. Il y a des personnes qui portent le passé, elles vivent dans le passé, elles gardent la peur du passé. Peut-être vous avez été victime de beaucoup de choses dans votre vie. Et je ne dis pas que cela n'ait pas fait mal, ce n'est pas ça que je veux dire, mais vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas accepter de vivre avec une vie sans résultat. Il faut que cette vie, elle ait, mes amis, une opportunité de changer. Il faut que votre vie, elle change. Il faut qu'elle ait un résultat, ait un changement. Mais pour avoir ce changement, il faut des attitudes. Et c'est ce que dans la thérapie de l'amour, nous orientons les personnes à pouvoir recevoir des orientations, des attitudes que vont pouvoir agir dans leur famille, dans leur mariage, dans leurs enfants, dans tout, et faire en sorte que leur vie puisse aller de l'avant. Nous allons, avant tout, mes amis, déjà vous montrer, vous laisser avec un témoignage. Accompagner un témoignage, nous allons montrer d'autres, mais restez avec ce témoignage et je veux vous laisser avec un spot de motivation. Ne baissez jamais les bras. Ne pensez jamais que tout est fini. Il y a toujours une solution. Et le spot de la thérapie. Nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous sur notre émission Foi en action. Je m'appelle Marcel. Bonjour, je m'appelle Sylvie. J'étais une personne très, très, très acariâtre. J'étais une personne aussi... J'étais rancunière. J'étais une personne qui regardait... le monde à ma façon, en fait. Je souffrais intérieurement. Parce que lorsque je suis arrivée, j'avais des problèmes dans mon couple. On était au bord du divorce. Et j'étais perdue. J'étais dépressive. Je faisais du sport pour combler le vide qui était à l'intérieur de moi. J'arrivais à faire 6 à 7 heures de sport par jour. J'étais arrivée au bout de choses. Je ne savais plus où aller. Le sport ne suffisait plus. Et voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. Moi, avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une personne, je peux dire, banale. Donc, j'allais au travail, je revenais à la maison, et puis voilà, s'occuper des enfants, de mon épouse. Et de là, il y a eu des gros, gros problèmes avec mon épouse. Et on ne savait plus, on ne s'entendait plus du tout. Donc, c'était parti pour un divorce. Donc, j'ai fait la chaîne de prière du lundi pour le travail. Et la chaîne de mercredi, je commençais à avoir des améliorations dans ma vie
à l'intérieur de moi. J'étais beaucoup plus calme, j'étais beaucoup plus attentive, j'écoutais plus les autres. Et petit à petit, c'était pas venu tout de suite. Petit à petit, je voyais des changements en moi. Et là, je me suis dit, mais vraiment, il faut que je continue. Donc du coup, il y a eu la campagne d'Israël qui est arrivée. Et cette campagne, je voulais que mon couple soit ressoudé, que tout aille bien, que tout aille bien dans ma vie, ma vie personnelle. J'avais cette certitude que Dieu ne faillira pas et que j'aurai une solution à tous ces problèmes. Et là, j'ai vu la gloire de Dieu. Parce que je l'ai invité, j'ai plusieurs fois invité pendant plus ou moins 2 ans, il n'est jamais venu. Et à la suite de cette campagne où j'ai cru que Dieu allait faire quelque chose, il est venu. J'ai remarqué que il y avait un changement. Le changement, c'est quand elle a commencé à aller au centre d'accueil. À partir de là, elle était un peu plus posée à la maison et moi, ça m'arrangeait puisque il y avait plus de disputes, il y avait plus de différends pour un oui ou pour un non. Puis je me suis dit comme ça, dans mon fort intérieur, j'ai dit, Seigneur, si réellement il y a un changement, moi je veux aller voir. Et c'est là qu'elle m'a invité. C'était pour les fêtes de fin d'année, le 31, elle m'a dit, ben, pourquoi tu viendrais pas? Moi j'ai dit, j'avais dit non, puisque ça faisait 2 ans qu'elle m'invitait. J'ai dit non, c'est pas possible. Et après, elle a quand même insisté, mais vraiment très gentiment. C'est ça, au fait, c'est ça qui m'a poussé vraiment à venir. Parce que la manière, la Sylvie que je connaissais, c'est pas gentiment qu'elle allait me demander quelque chose. C'était plutôt dans la, avec rigueur, enfin, c'est limite de vous forcer à faire quelque chose. Mais là, c'était vraiment d'un ton vraiment naturel, mais viens, si tu verras, et tout ça. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Et c'est là que je suis arrivé au centre d'accueil. Alors, la première chose qui m'a frappé de prime abord, c'est l'accueil, au fait. Je me suis senti, mais en paix, mais d'une paix, je sais même pas, j'étais vraiment bien. Et depuis, je suis resté au centre d'accueil. J'ai suivi les propos qu'on m'avait demandé de faire, les chaînes de prière. J'avais un petit problème, enfin un petit, non, des sérieux problèmes au niveau de mon emploi, de mon employeur, parce qu'on ne s'entendait pas. Donc j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour trouver la solution à ce problème. Elle a été fructueuse parce que on m'avait envoyé à une formation justement exprès pour que je sois licencié suite à cette formation. Et au bout de cette formation, en fait, ça me donnait un niveau comme chef de service de sécurité incendie. Et je suis devenu chef de service de sécurité incendie. À la suite, je me suis battu pour le Saint-Esprit, parce que je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui manquait. Avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit, je sentais qu'il fallait d'abord que je fasse mon baptême de l'eau. Donc je me suis engagé, j'ai prié, j'ai jeûné. Et mon épouse, d'ailleurs, elle n'était même pas au courant. Je suis rentré dans l'eau, je suis ressorti, mais j'ai senti que ce jour-là, je n'étais plus le même. J'ai vu ce changement. Et sans le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'on puisse tenir. Après tout ce que nous avons traversé, nous sommes heureux. Notre mariage est béni. Nous passons par des difficultés, des tribulations, des tourments, mais puisque nous ne nous battons plus seuls, nous sommes avec Dieu, le Saint-Esprit, qui est là, qui dirige notre vie. Nous sommes à trois à nous battre. Et là, on voit la différence. On peut même pas, c'est incomparable. Et intérieurement, j'ai tellement cette paix en moi. C'est le Saint-Esprit me donne la direction dans toutes choses. Nous sommes plus que complices. Notre vie est vraiment bénie malgré tout ce qu'on peut traverser.
Et ça, je rends grâce à Dieu, vraiment. Grâce à Dieu, parce qu'il a utilisé les personnes et ensuite il m'a donné son esprit et tout va bien pour nous. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Nous voici de retour alors avec vous tous. Ceux qui viennent se connecter, bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et mes chers amis, vous avez accompagné cette histoire, ce témoignage, les étapes. Vous voyez que ce n'est pas du jour au lendemain. La vie de cette personne n'a pas changé dans un claquement de doigts. Non, il y a eu un parcours. Mais dans ce parcours, cette personne, elle a mis sa foi en action. Attitude, résultat. Action, réaction. Et vous, que vous voulez voir l'action de Dieu, vous devez réagir à la situation laquelle vous êtes en train de vivre. Oui, vous devez réagir. Vous devez réagir à cette souffrance. Vous devez dire non à ce problème. Nous avons des personnes, malheureusement, qu'elles sont en train de croire dans un Dieu qui est mort. Pardon. Elles regardent l'image de Jésus comme le film, son... avec tout le respect, un bon film, La Passion de Christ, nous voyons la souffrance de Jésus, nous voyons le karma de Jésus, nous voyons qu'il a tellement souffert, et beaucoup de personnes se sont habillées de cette souffrance, et aujourd'hui, vous savez, elles croient qu'elles ne se trouvent pas dignes ou dans le droit de demander à Dieu, moi je ne peux pas accepter de souffrir. On passe des luttes, on passe par des déserts, des problèmes difficiles. Mais vivre dans la souffrance, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Sinon, Jésus n'aurait pas souffert à notre place. Il a souffert, il a payé pour qu'aujourd'hui vous soyez libre. C'est pour cette raison que vous m'accompagnez, il est moment, il est temps que votre histoire, votre vie change. Il est temps que votre situation change. Alors, mes chers amis, je vous invite à venir participer, mes amis, de cette réunion. Aujourd'hui, 19h au 6 Mornbergen, en face de la Brède, mes amis, de la thérapie de l'amour. Une réunion qui est dirigée vers la famille, le mariage, et qui va certainement vous bénir et apporter une direction pour votre vie. Nous allons accompagner encore un autre témoignage, un autre spot, et on revient tout à l'heure pour vous parler de vendredi et nous préparer pour la prière de la foi que nous allons réaliser ensemble avec vous tous. Ne quittez pas, préparez déjà votre verre d'eau. On revient d'ici à quelques instants. Je m'appelle Joseph, je suis arrivé au centre d'accueil universel en 2013 par le biais de ma petite amie. En arrivant au centre d'accueil, j'avais pas mal de problèmes familiaux dus justement à mon travail.
J'avais pas le temps pour la famille, j'étais souvent absent. Alors ça posait beaucoup de problèmes au niveau de mon couple. Voilà, j'étais aussi un homme dépendant dans la pornographie. J'étais aussi dépendant dans l'alcool. Je me réfugiais dans l'alcool dû à mes problèmes familiaux. J'étais un homme orgueilleux. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil universel. Alors quand je suis arrivé, j'ai participé à certaines réunions parce que j'étais pas souvent en Île-de-France. Alors j'ai participé aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. J'ai participé le mercredi, le dimanche. Et ce que j'ai obtenu, premièrement, ma délivrance. Alors, j'étais délivré de la pornographie, de la masturbation, délivré dans la dépendance à l'alcool. Voilà, mes premières, ce que j'ai obtenu, les premiers résultats. Ensuite, en 2014, a été annoncée une campagne d'Israël. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, par rapport à ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu, les témoignages que j'ai vus, alors j'ai décidé de participer. Voilà, pour un changement de ma vie sentimentale. Et alors, ce que Dieu m'avait demandé, c'était de... Parce que je priorisais beaucoup mon travail. Voilà, mon travail était à la première place. Même ma famille ne passait pas avant mon travail. Tout, c'était par mon travail. J'étais un homme orgueilleux. Et suite à la campagne d'Israël de 2014, je me suis lancé de corps, âme et esprit. J'ai fait physiquement, j'ai fait le jeûne. Je venais plus souvent à l'église, spirituellement. Je priais plus, je cherchais à connaître plus Dieu, je méditais la parole, je lisais plus la Bible. Et j'ai aussi sacrifié, alors ce que j'ai sacrifié, c'est que j'ai abandonné mon travail, dans le travail que j'étais, j'ai abandonné mon travail justement, parce que c'était ce qui occupait la première place dans ma vie. J'ai abandonné mon travail et je me suis totalement remis à Dieu durant cette campagne d'Israël. Et j'ai obtenu le résultat. Par la suite, c'est vrai, j'étais au chômage. Ma femme à l'époque, ma petite amie à l'époque ne travaillait pas non plus. Alors c'était très difficile, mais j'ai persévéré. Dans la persévérance, j'ai pu retrouver un travail. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Ma femme travaille aujourd'hui. Ma famille elle est unie aujourd'hui. Je suis avec mes enfants. Je suis marié. Moi qui ne croyais pas dans le mariage, voilà, je suis un homme marié aujourd'hui. Voilà ce que j'ai obtenu par rapport à la campagne d'Israël. Ensuite, suite à la campagne d'Israël, a été annoncé le jeûne de Jésus sur 40 jours. Et là, j'ai encore mis toute ma force, justement, durant ce jeûne de Jésus, pour justement obtenir le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'avais compris à travers des réunions que c'était le plus important. Et j'ai mis toute ma force et j'ai été scellé de l'Esprit de Dieu durant ce jeûne de Jésus. Et voilà, aujourd'hui, je suis un homme en paix, je lutte avec Dieu et j'avance, et j'avance. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Mandvergain, face à la Brède. Et voici de retour alors, et comme je vous ai dit, je voulais vous parler de ce jour, vendredi. Êtes-vous déjà venu dans un de nos centres d'accueil le vendredi? La prière de délivrance. Une prière qui a comme but apporter, mes amis. La prière que Jésus a fait aussi, chasser le mal. Tandis que dans la vie d'une personne, il y a un mal spirituel, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais elle n'arrivera jamais à avancer. C'est pour cela que la prière de délivrance, et nous allons commencer ce vendredi, les 7 vendredis du feu. Pourquoi le feu? Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que notre Dieu est un feu dévorant. Il est un feu dévorant pour dévorer ce qui est mal, ce qui est négatif, ce qui est mauvais, ce qui est dans votre vie, que vous empêche d'avoir ce qu'il a promis. Alors,
si vous voulez, vendredi, dans chaque centre d'accueil. À Pointe-à-Pitre, je serai, nous aurons à 7h, à 10h, à 15h, et spécialement dans la veillée du feu, à 19h, vous êtes notre invité spécial. Il faut que le feu de Dieu descende dans votre vie pour que ce qui est venu pour vous détruire, pour vous faire du mal, pour empêcher que votre vie avance, soit brisé. D'ailleurs, on va accompagner le spot que vous invite pour cette réunion de vendredi, le spot de la prière, et on revient tout de suite après pour parler avec Dieu en faveur de vous tous. Un vêtement qui a disparu, une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise, une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont Verguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes. Palais avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui cabane nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Paris en veut de l'eau, c'est moment à la prier. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, combien sont les personnes qui sont en train de vivre une vie de chagrin, de froid, de malheur, sont en train de vivre une vie de malheur, mon Dieu. Ce n'est pas parce qu'elles veulent, bien évidemment, mais parce qu'elle a déjà tellement entendu des gens le dire. C'est ton karma. Il ne faut pas réclamer. Accepte. Vis. C'est le Seigneur qui est en train de permettre que tu passes ce chemin. S'il a souffert, tu dois aussi souffrir. Et mon Père, pardon ce que je veux dire. Tant de bla bla bla. Tout ce qui est contraire à ce que ta parole dit. Ta parole dit, invoquez-moi au jour de votre détresse. Et je vous délivrerai. Juste dans ce verset, c'est déjà la réponse à toutes ces fausses, mon Dieu, fausses conseils. Mon Père, le Seigneur a dit, clame-moi au jour de ta détresse. Et je te délivrerai. Oh mon Père, ce peuple clame à toi. Viens le délivrer, viens le montrer que le Seigneur est Dieu. À travers de cette prière, viens, visite à chacun. Il vient accorder la délivrance, la liberté, pour qu'il soit libre, pour qu'il soit transformé. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je bénis, je consacre cette eau, mon Dieu. Qu'au moment qu'elle va boire de cette eau, qu'elle reçoive la vie, qu'elle reçoive la santé, qu'elle soit libre de cet esprit qui la perturbe, qui la fait avoir des migraines, qui la fait se sentir voir des ombres, entendre des voix, que tout le mal qui était chez elle, ou dans sa vie, là où il était, qu'il soit dissipé maintenant, dégagé, qu'il soit enlevé, et que ton pouvoir se manifeste, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en ce moment, buvez de cette eau. Buvez de cette eau. Parce qu'au moment que vous buvez de cette eau, la force négative que vous tourmentez, elle dégage, elle part. Et Dieu vous donne la force au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Je suis sûr et certain que vous êtes libre en ce moment. Soyez libre là où vous êtes. Mais ne restez pas là en disant, ah merci beaucoup, c'est bon. Non, il faut venir lutter. Il faut venir lutter aujourd'hui. 19h, je vous invite pour la thérapie de l'amour. Alors demain, la réunion de la purification. Et dimanche, Église, le dimanche de l'impossible, à 7h ou à 9h30, nous y serons dans chaque centre d'accueil afin de pouvoir, mes amis, lutter pour vous, lutter pour votre vie. On va vous laisser le spot avec les adresses de tous nos centres d'accueil. Moi, je serai à Pointe-à-Pitre, au 29 Quelfèvre, et je vous invite à y être présent afin de recevoir cette force
la vie au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et une très bonne journée. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai Lefèvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 Impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.